So welcome to a new video, and this one is probably one of the most exciting videos I've ever done. And I'm kind of feeling super intimidated because the camera setup is nothing that I'm used to. Usually I have just one selfie cam, but now I have two huge size camera, one reflection, one mic. And yeah, today's gonna be a nice day because we are gonna test the EQA for the first time ever. So yeah, you guys can come along, and I'm gonna switch in French because I think it's even more natural, and you guys are gonna have subtitles the whole way. So let's switch to French and get in the car. C'est parti, on y va, allez. I guess I am in the future. Hey! Hi! Hey guys! Nice to meet you! Nice to meet you. Check. I'm Maya Jeff. I'm Benjamin Ortega. And I'm Felix van der Laden, and we are really excited to try out the new EQA. Regardez-moi ça, si c'est pas exceptionnel. On s'est posé sur un coin du circuit, on a le brouillard qui vient, donc on a 5 minutes pour pouvoir parler de la voiture. Mais je voulais faire un petit tour autour pour vous la montrer de l'extérieur pour la première fois avec cette lumière impeccable. Et vous vraiment vous montrer les lignes de la voiture qui nous font faire un saut dans le futur et voir directement quelque chose de complètement nouveau. C'est quand même incroyable de pouvoir être là. Et je vais vous montrer. Bien évidemment, c'est une voiture électrique, du coup on n'a plus besoin de grille, donc ça c'est redesigné complètement avec un beau gros logo au milieu qui est vraiment ce petit détail là avec la lumière bleue, ça c'est exceptionnel. Alright Leute, jetzt ist die erste Chance, den neuen EQA mal ordentlich auszuprobieren, und zwar hier auf dieser Teststrecke. Und mal gucken, ob Benny bereit ist. Benny, are you ready? Absolutely! I was waiting for this to happen since this morning. Alright, let's go! Let's do it! Et on a voie libre, on est que nous deux. Félix est un race driver, est un pilote. Je peux lui faire confiance, ça c'est sûr, pour tout ce qui est de trajectoire, tournant, etc. Les sensations de ce EQA sont incroyable. La puissance de ce moteur électrique, c'est un saut instantané dans le futur. On a l'impression d'être 10 ans en avance. Le système de suspension, tout ça, c'est tellement smooth. C'est quelque chose que je n'ai jamais expérimenté dans aucune voiture. On a l'impression de conduire sur un nuage qui est propulsé par une puissance indescriptible. This car is giving me the best feeling ever. Ça, je trouve que c'est vraiment le futur, parce qu'on peut donner on peut taper une destination et du coup se laisser guider et complètement penser juste au plaisir de conduire et plus vraiment à tout l'aspect logistique, où est-ce qu'il faut que j'aille me charger, combien de temps il faut que je reste à la borne, est-ce qu'il faut que je reste jusqu'à ce que la batterie soit à 100%. Non, cette fois-ci on va vous dire directement, enfin le système va vous dire, il suffit juste de se charger pendant 20 minutes et la batterie aura un niveau suffisamment élevé pour pouvoir atteindre la prochaine station de charge. Et ça me fait penser que tout à l'heure j'étais avec l'un des ingénieurs et on discutait justement du système intelligent de la voiture et le fait qu'on puisse demander toutes sortes de choses par commande vocale du style « Hey Mercedes, how can I help? Change the light to red. » Okay, I'm changing the color. Voilà. Okay,
magnifique sunset sur notre droite. Dernier quelques centaines de mètres avec ce tout nouvel EQA. Je tenais à remercier Mercedes pour m'avoir invité pour cette expérience. C'était quelque chose de complètement incroyable, honnêtement, de pouvoir conduire cette voiture-là pour un world premiere. C'était une sacrée chance de pouvoir découvrir toutes les fonctionnalités, de parler justement avec les personnes de chez Mercedes et de vraiment voir tout ce qu'il y avait de nouveau dans ce modèle. Quelle expérience, quelle journée. Merci infiniment à toute l'équipe. Merci aussi à Félix et Aya d'avoir rejoint cette aventure. Et vous pourrez trouver aussi toutes les informations d'Aya sur son LinkedIn et de Félix sur sa chaîne YouTube et son Instagram. En ce qui me concerne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas le cas. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera aussi avec cette voiture. Mais dans lequel je vais pouvoir la tester en ville, faire ce que je veux avec, partir en road trip si je veux, et on verra bien ce que ça va donner. Je suis très excité de pouvoir le faire en toute honnêteté. Donc voilà, dernier petit tour, salut l'équipe, merci pour tout et c'est parti. It was so much fun, right? What a cool day, honestly. Insane. So amazing. Insane. The perfect weather. But this car, I mean, the handling, right? On especially the track. Yeah. Oh, it's so good. It was crazy. It honestly. Was really, really good. So yeah. Thank you for watching. This is the new Mercedes EQA. And yeah, bye-bye. Bye. See you guys. Can I just drive it back to my place? That would be perfect. I would love. I need to do a road trip in electric cars. That's for sure. Like, I really want to test and also test the smart feature on the navigation system. Like, I want. Can I go to LA from here? Like, what is the fastest route? Hey, Mercedes. How may I help you? Drive me to... What is your destination? Los Angeles. Here is what I found. Where do you want to go? Perfect! Let's go!